Is that it? One more. Sit. Voilà. Names reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soupol. Connaissez-vous la fin d'un grand homme? Waouh! Ce que nous allons voir ici, c'est choquant, c'est étonnant, mais c'est la triste réalité. Mes condoléances à toute sa famille. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le père spirituel de ces stars que nous avons perdu il y a quelques années est décédé. Elle est décédée et son corps est venu dans le pays aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Nous essaierons de vous faire un bref résumé ici pour que vous puissiez comprendre. Vraiment, que vous soyez riche ou pauvre, quand cette heure-là arrive, vous ne pouvez rien faire. C'est là où on voit les limites du pouvoir. Ouais, cela voit la limite de l'argent, de la richesse, oui. Et quand ce jour arrive, c'est un très mauvais jour. Et ce jour-là vous emporte en laissant derrière vous des gens pleurent, votre famille, vos enfants. Que la main de Dieu soit sur nous et que nous donnons vie. Allons voir ça. Voici la fin d'un grand homme. Un homme que tout le monde apprécie. C'est grâce à cette star, dit Arafat, que j'ai personnellement connu cette personne qui est ici. Une haute personnalité du pays. Et aujourd'hui, elle fait le buzz, elle est à la une. À cause de quoi? À cause de sa disparition hors du commun. C'est la fin de grand homme. Nous nous souvenons que lorsque cette star était partie, cette personne n'a pas manqué de venir saluer la famille. Comme ce que vous venez de voir à l'écran, c'est exactement ça. Je vois cette personne, ce grand homme qui est venu, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Cette personne-là qui est venue, attristée, vraiment triste. Est venu saluer la famille, saluer tout le monde et essayer de voir ce qu'il pourrait faire pour comment faire certaines choses. Comme vous pouvez voir, c'est un deuil hors du commun. Quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous partagez beaucoup d'expériences avec une personne et que cette personne part comme ça, forcément. Il y a un choc. Et la vidéo que nous allons voir maintenant nous montre clairement que les deux étaient vraiment très proches. Regardez ça. Et les deux sont partis, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et cette personne est en train de faire l'éloge de son fils. Et voilà. Chez nous en Afrique, quand une personne fait comme ça, ça veut dire que cette personne prend son fils, il le prend avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Ouais. Et cette personne prouve à tout le monde qu'elle est 100% prête pour son fils. Et c'était ça. Waouh, c'est mon fils, c'est genre comme un père aussi qui est fier de son fils. Nous avons connu ce grand homme au travers de ce qu'il faisait aussi dans l'industrie de la musique et tout ça. Cette personne était vraiment très accro à tout ce qui était lié à la musique et toutes ces choses. Regardez très bien ici. Où est cette personne? Où est cet homme? Cet homme est si, hein, sans façon,
Cette personne parle avec tout le monde. On la voyait souvent sur des scènes, juste tranquillement comme ça. À des meetings, on la voyait juste danser avec des artistes, des célébrités. Regardez. On peut le voir. Voilà. Tranquillement, hein, tranquillement, sans problème. Et voilà, on peut voir le président de la République du pays de la Côte d'Ivoire et sa femme. Et on peut remarquer que le président s'est applaudissé, c'était le show, c'était la joie. C'est l'image, quand je vois cette image, vraiment je me dis, mais waouh, l'homme n'a rien. Hein. Regardez. Dansez tranquillement. Voilà, la joie de tout le monde. Vraiment, si l'homme devait payer pour pouvoir revenir à la vie, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est une chose qui me chagrine beaucoup dans la vie de grandes personnes qui sont parties. C'est pourquoi quand je vois des humains qui tuent leur prochain, je me dis, ce n'est pas normal. Nous prions pour sauver des âmes, pour sauver des vies. Alors il ne faut pas faire de telles choses. Regardez vous-même. Ça, c'était au funérail de Didier Arafat. Et cet homme était encore là. Cet homme a tout fait pour honorer cette star. Comme vous pouvez le voir juste là à l'écran. Ah, et tout le monde donnait ce qu'il pouvait afin de pouvoir juste honorer les frères. Mais ça n'a pas pu le ressusciter. Ça n'a pas pu le ramener à la vie. Il est parti. Quand on regarde ça, ça ressemble vraiment à un mauvais rêve. Ou bien, comment vous voyez ça? Quand vous entendez que quelqu'un est parti maintenant, même vous avez l'impression que vous êtes en train de dormir, quoi. Vous avez l'impression que c'était rêve. Je vous parle de quelque chose, hein. Je vous parle de quelque chose, vous avez l'impression que vous êtes dans un mauvais rêve. Vous avez du mal à y croire. Vous avez envie de vous réveiller du rêve là-même. Et constater que tout est beau autour de vous, tout est parfait, tout est en ordre. Mais le temps est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait, est fait. Maintenant, regardez, ils ont envoyé son corps à l'aéroport philosophe Boigny. Les gens sont venus chercher son corps dans le cercueil. Une personne qui est partie juste malade revient à la maison dans un cercueil. C'est une image vraiment du choc. La dépouille du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est arrivée à Abidjan samedi en fin d'après-midi. Vous voyez ça? Et ça, c'est aujourd'hui, samedi, que tout s'est passé. Juste là, comme ça. Maintenant, comment les gens vivent ça? Maintenant, comment ses proches vivent ça? Comment les gens vivent ça maintenant? Comment les gens qui l'aiment? Dans la vie, vous ne pouvez pas être aimé de tous. Hein. Mais vous avez quand même certaines personnes qui vous apprécient. Comment ces gens qui vous apprécient là ont reçu ça comme information? Comment ça se passe? En tout cas, je vois que les gens se sont réunis à Youssef pour accueillir ce grand homme. Ouais, le leader, le patron. Vraiment, c'est triste. Regardez. Le cortège qui est arrivé, comme vous pouvez le voir, on dit qu'il aime, on dit qu'il apprécie, qu'il reconnaît son travail, mais malheureusement, toutes ces belles paroles ne pourront pas le ramener à la vie. Malheureusement, toutes ces belles voitures, toutes ces belles maisons, tout cet honneur, toute cette gloire, tout cet argent, toutes ces richesses, tout ça, ça ne pourra pas nous ramener à la vie. Les limites de l'homme s'affichent en même temps. Et quand je vois ça, je suis grave choqué, je vous assure. Je suis vraiment grave choqué. Je me dis, mais comment c'est possible? Je suis grave choqué.
trop choqué. Et regardez, les gens essaient de ne pas pleurer. Les gens essaient de lui donner encore la force de pouvoir continuer. Mais quelques jours plus tard, ils vont comprendre que c'est fait. Cette personne est partie. Voilà. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. C'est vraiment pas de la blague. Et regardez ce qui se passe. Regardez, les gens pleurent. Ils ont du mal à y croire. Ils disent hey. Regardez. Qui va consoler qui? Qui va consoler qui? Mon Dieu, qui va consoler qui? Qui va consoler qui? Considérez la vie de l'être humain. Considérez la vie de l'être humain maintenant. Ouais. Considérez l'homme. L'homme là. Considérez l'homme. Ouais. L'homme. L'être humain. Que soit la classe sociale d'une personne, il faut respecter la personne. Même si cette personne, c'est un bébé, respectez la personne. Respectez la vie. Respectez vraiment la vie. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Posez de bonnes actions. Hey Seigneur Jésus. Ah! Dieu est grand. Ouais. Dieu est grand. Mais les gens pleurent. Regardez. Il est inconsolable. Waouh, la vie. C'est ça la fin d'un grand homme. Un homme que tout le monde a apprécié. Un homme que tout le monde a aimé. Ouais. Et ça, c'est le résultat. Qui va consoler qui? Qui va consoler qui? C'est déjà fait. Tous ces applaudissements ne vont plus pas faire revenir cette personne. C'est déjà fait. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Hein. C'est vraiment. C'est vraiment triste. Très triste. Alors qu'on se souvient que cette personne dansait comme ça. Juste comme ça. Regardez. Vraiment. C'est. Voilà. Qui le président va-t-il applaudir maintenant? Qui est-ce qui va-t-il applaudir? Qui d'autre? Ouais. Qui d'autre? Qui? Parfois, souvent, quand je vois les gens s'amuser, je vois les gens chauffer. Parfois, je suis là, je regarde jusqu'à je dis à quoi ça sert? Vous vous amusez aujourd'hui, vous chauffez, vous riez bien. Et demain, c'est pour pleurer. Ah! Quand vous pleurez aujourd'hui, demain, c'est pour rire. La vie, c'est ça. Nous devons profiter du moment présent comme il se doit. Ouais. Ouais. Si Dieu t'a donné la vie aujourd'hui, sors, barre, travaille, t'as ton jet, enlève une partie, mange de la bonne nourriture, comme c'est pas possible. Tu donnes de la joie à ta famille. Tu quittes les histoires de palabres, problèmes. Vis ta vie tranquillement parce que tu ne sais pas quand sera ton dernier jour. Ha! Et cette personne passait quand même un moment donné de sa vie de bon temps avec sa famille. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est sa femme. Voyez-vous? Voyez-vous? Et ce vendeur, il est très content. Parce qu'il est en face de lui une grande personnalité. Ouais. Un homme puissant. Et Seigneur. Et sa femme est là.
Elle ne savait pas que son mari partirait si tôt. Que les femmes prennent soin de leur mari. Ouais, prenez soin de votre mari. Considérez les gens qui sont auprès de vous. Vivez avec eux comme si c'était leur dernier instant. Oui, profitez de la vie. Elle n'aura que ces images pour se consoler. Eh Seigneur mon Dieu. L'agent ne pourra pas la consoler, ni elle, ni ses enfants. Rien de tout ça. C'est là que nous commençons à considérer l'être humain. L'homme apprécie l'homme quand il est mort. Ça, c'est la remarque que j'ai faite. Il faut qu'on considère les êtres humains. Ne faisons pas des choses inutiles juste pour avoir le pouvoir ou quoi que ce soit. La vie aujourd'hui est en train de nous montrer que nous devons nous aimer les uns et les autres. Ouais. Aimons-nous les uns et les autres. Il est mort avant ses 60 ans. Il est mort apparemment même le jour de son anniversaire. Peut-être qu'il va fêter son anniversaire. Qui? Où est-il en ce moment? Personne ne sait. Si Dieu existe et qu'il est vraiment réel, c'est qu'il est sans doute face à Dieu en train de répondre de ses actes. Seuls ses actes, ses œuvres sur la terre vont répondre pour lui devant Dieu. Maintenant, nous les vivons. C'est pour nous qui est grave. Mon frère, qu'as-tu retenu? Quelles sont tes œuvres? Que tu sois riche ou pauvre, tu partiras un jour. Maintenant, que comptes-tu faire pour que ta vie soit sur la terre soit meilleure? Même si les gens t'aiment, ce ne sera pas suffisant pour que tu vives 400 ans. Nous devons commencer à faire des choses qui vont vraiment nous aider. Commençons par nous aimer les uns les autres. C'est par là que tout commence. On se voit pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et soyez prêts. Je m'appelle Nyan Sweeper. Ha! Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir Nyan Sweeper et ses trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger des informations bancaire. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Prenez soin de vous. Name's Reborn.